سينما التحريك بدأت صغيرة كذلك بالتنسيق ما بين مؤسسة عيشة والمعهد الفرنسي بمكناس. اليوم في هذه الدورة الخامسة يتطور بشكل مضطرد، أخذ أبعادا دولية اليوم من خلال المشاركة لعدد الممثلين والفنانين الأجانب، ليس الفرنسيين فقط ولكن حتى الأمريكيين. وأظن بأنه اليوم مكناس أخذ موقعها على المستوى الثقافي والفني. ختمنا قبل يوم المهرجان الخامس للدراما التلفزية واللي الذي كان تحت الرعاية السامية، وأظن بأنه كذلك باسترجاعنا المهرجان الوطني المسرح الوطني ستستعيد مدينة مكناس يعني أهميتها الثقافية والفنية، وهي بدون مجادل وبدون منازع هي مدينة الثقافة ومدينة التراث ومدينة الفن ومدينة المسرح. وبالتالي هذا المهرجان الخامس لسينما التحريك سيكون ناجحا إن شاء الله، ونحن بالشراكة التي كانت مع سواء مع مؤسسة عيشة أو مع المعهد الفرنسي، يعني هذه المساهمة هي من أجل تمكين هذا المهرجان لأخذ هذه الأبعاد الدولية. يكفي أن أقول بأنه من بين 130 ألف جمعية لعل مدينة مكناس تحتوي على أكبر عدد إذا قارناه بعدد السكان من الجمعيات ومن هيئات المجتمع المدني التي تشتغل في جميع الميادين سواء الثقافية أو الرياضية أو الإنسانية أو الاجتماعية أو الفنية وبجميع أبعادها الفنية. هذه الحركة الثقافية اليوم نسترجعها يعني شيئا فشيئا، استرجعناها من خلال اللقاء الذي كان يعني الإعدادي لبرنامج مكناس، ونستعيدها كذلك من خلال الدعم الذي نقدمه لكل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تعرفها المدينة. اليوم صحيح قمنا بشراكات مع عدد من هيئات المجتمع المدني، ونحن بصدد تطوير هذه الشراكات على مستويات أخرى مع هيئات المجتمع المدني، وقد نصل إلى تلك التي تشتغل بالأحياء لأنها تقوم بأدوار مهمة جدا من حيث التأطير ديال الشباب والشابات في مختلف المجالات. وبالتالي ما نقدمه هو بسيط جدا، ولكن سنطوره كذلك حتى تلعب يعني الحركة الثقافية الحركة الثقافية خصوصا والحركات المجتمع المدني دورها في يعني في التنمية الشاملة. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette soirée d'ouverture de la 15e édition du FICAM. Je remercie leur présence, les autorités marocaines, les personnalités du monde des arts et de la culture, les partenaires institutionnels et associatifs, la presse, les acteurs culturels et éducatifs, les professionnels, les étudiants et le public en général. Ce public qui nous gratifie chaque année d'une présence plus nombreuse et nous encourage à aller de l'avant. Ce public qui s'est construit au fil des éditions et qui, de la notion de dessin animé, est passé à la notion de cinéma d'animation. Le succès et la longévité d'un festival reposent sur de multiples critères, au nombre desquels cette dimension artistique, bien sûr, la présence précieuse et active du milieu professionnel et l'organisation générale de la manifestation. Monsieur l'ambassadeur de France, monsieur le consul général, Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une grande joie que nous inaugurons ce jour la 15e édition du Festival international du cinéma d'animation de Meknès. Ce festival, initié par l'Institut français de Meknès en 2001, est, depuis quelques années, organisé par la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès. La Fondation Aïcha s'est engagée depuis à hisser le FICAM au rang des plus grandes manifestations internationales du cinéma d'animation. Telle est notre ambition. Le chemin parcouru en 15 ans est considérable. Une programmation de plus en plus riche, un public de plus en plus nombreux, 1200 personnes en 2001, 22 000
aujourd'hui. Et puis, des délégations artistiques toujours plus prestigieuses, une place sans cesse plus grande au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Exemplaire, ce festival l'est aussi par le choix du cinéma d'animation. C'est un genre qui réunit, qui fédère tous les publics. C'est également un secteur d'une extraordinaire vitalité dans lequel la France brille tout particulièrement par son savoir-faire et son talent. 2015 a été, de ce point de vue, une grande année, puisque trois films d'animation ont figuré parmi les 10 meilleurs films français. Alors, nous sommes très heureux, encore une fois, de vous accueillir ici, au cœur de l'Institut français de Meknès, pour cette 15e édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès. 15 ans de cinéma d'animation, de passion pour le cinéma, pour les films d'animation. Nous avons accueilli dans ce théâtre, mais un peu partout dans la ville de Meknès, les plus grands d'animation mondiale, Michel Oslo, Isao Takahata, Peter Lord, Alexandre Petrov, et j'en passe. Nous allons encore accueillir deux grandes sommités du cinéma d'animation mondial et des grandes personnalités du film d'animation. Cette édition, comme vous le savez, consacre un focus au documentaire animé, que ce soit le long métrage ou le court métrage d'animation. Nous avons une exposition qui est dédiée à une série et à un court-métrage de Bastien Dubois qui s'appelle Portrait de voyage. Un jury junior composé d'élèves du lycée Calipion Maurice Mérine et du lycée Pompadour. Donc je vais leur demander de se présenter, de se lever. Moël Ayashi, Latifa Mernessi, Omar Khalifi, Rita Issaoui pour la co-campette en matière de court-métrage et de cinéma d'animation. Alors, pour le Grand Prix 2016, nous avons un jury composé de trois personnalités. La première vient de Marrakech, qui est originaire de l'Algérie, juste à côté. C'est un spécialiste des effets spéciaux qui a beaucoup vécu aux États-Unis. Il s'appelle Hassan Youmi. Alors, il est là, il a décidé là. En fait, c'est un film assez particulier à monter, hein, parce qu'ils ont demandé à des gens un peu partout du monde et plusieurs réalisateurs comme ça de mettre en image les poèmes de Khaled Gibran et lui a été là pour en fait amener une cohésion entre chacun de ses sketchs et chacun de ses films en fait pour créer donc une cohésion dans le film. Il y a 9 heures de décalage à 21h.